Eh bien, salut à tous les amis, c'est Platypus, ou plutôt Creepy le Creeper, comme vous pouvez le voir sur ce skin, et je suis en compagnie de... Rhino, bonjour à tous. Avec sa voix de dépressif habituelle. Alors, tout simplement, je suis avec ce nouveau skin Creepy le Creeper, que j'ai, enfin, qui, ça fait déjà assez longtemps que j'ai fait, et j'en avais parlé dans un Platinus Time, car je vous avais dit dans un Platinus Time que je comptais rajouter un petit peu quelques personnages à la Platyfamily. Alors comme vous le savez, il y a déjà Platypus, l'ornithorynque de base, puis il y a Platylink, le petit Link, puis il y a Platysoldat ou Platyguerrier, enfin je sais pas comment il s'appelle, celui que j'avais il y a pas longtemps, vous savez, le skin un peu chelou. Et alors ici, il y avait Creepy le Creeper, donc je vous ai parlé dans un Platinus Time, comme je vous l'ai dit. Et bien voilà ce skin que je porte actuellement. Ce skin est explosif. J'aime bien comment tu le dis de manière dépressive. Je sais pas si j'avais dans le Platinum Sam, en fait Creepy le Creeper est un journaliste animateur radio, Creeper, voilà, qui anime l'émission de rock. Creeper Boom, ou je... Non, qui... Creeper... Non, c'était quoi? C'était... je sais plus comment j'avais... Je m'étais fait un petit trip comme ça sur Skype avec quelqu'un. Enfin bon, je sais même plus comment j'appelais ça. Non, il est animateur sur Boom Radio et il fait Creeper Rock. C'est un truc comme ça. Et donc... C'est recherché. Je vais activer mon armure, voilà. Alors, il est super sexy avec cette armure, c'est vraiment dégueulasse. Je vais quand même l'enlever parce que c'est trop moche. Et, ooh, yeah. Et bien, cet épisode est très bien préparé car j'ai de nombreuses choses à vous montrer. Alors tout d'abord, une petite poubelle, la poubelle d'Aipierre. Donc ici, vous avez poubelle, comme vous pouvez le voir, inscrit ici. D'ailleurs, je vais jeter quelque chose après pour faire votre démonstration. Et alors, nous avons le petit système qui est très très simple. Ça me fait rire quand je dis ça. Alors vous savez, il y a le coffre piégé ici, avec un hopper qui récupère et un dropper en dessous. Et on récupère le signal du dropper quand... pour faire... what? Ok, non, rien du tout. Pour faire une cloque, et alors la cloque, on l'injecte dans le dropper pour que... Tout simplement, il produise du signal pour expulser tous les items. Et alors comme c'est un trap chest, normalement, si je dépose un objet, il n'est pas aspiré et... Hop, voilà. Si je le referme, l'item est brûlé dans la lave. Et alors donc ici, nous avons le petit coffre de stockage secret qui est toujours là. D'ailleurs, je vais jeter la stone. Hop, voilà. Voilà, tu es jeté. Et nous allons sortir maintenant que ce petit système a été rapidement présenté. Aïe. Tu sors beaucoup pendant la sortie de secours ces temps-ci. Ouais, j'avoue. Ah, elle est sympa cette sortie de secours. Et vous avez vu quelque chose... Non, vous n'avez rien vu. Vous avez juste vu le bras avec son petit brassard de journaliste de Creepy le Creeper. En fait, t'aurais rien dit, personne n'aurait rien vu. Mais là, tout le monde va retourner la vidéo. Alors, c'est pour ça que là, je suis en train de marcher à reculons. Et attention... Badam ! Une tête de cochon géant, voilà. Super esthétique, alors vous êtes en train de dire what the fuck, il a pété un câble, une tête de cochon géant, mais il y a bien évidemment quelque chose dedans. Il y a de véritables cochons dedans, vu qu'il s'agit d'une usine à reproduction de cochons automatisés super magiques trop fort, réalisée entièrement et sans aucun plagiat par, Rhino. Sans aucun plagiat, je dirais pas, parce que le système, entre guillemets, de base au niveau de la récupération des bébés cochons, c'est le même que celui de Zephyr, mais en même temps, on peut pas trouver des concepts révolutionnaires tout le temps. Mais j'aimais pas le concept de Zephyr, parce qu'en fait, il y avait deux boutons, je trouvais ça embêtant, et du coup, j'ai simplifié le système. À l'usage, en tous les cas, pour qu'il n'y ait qu'un seul bouton qui commande tous. Un seul bouton pour les commander tous, et dans les ténèbres, les lier. Et t'as enlevé un bloc qu'il fallait pas. What? Ouais, retourne. J'ai juste enlevé ces trois blocs. Hein. Non, regarde, les deux repeaters, ils s'injectent plus dans le piston. Effectivement. Donc, mets un repeater à 4 ticks et l'autre à 2 et. Ah, bah oui, en fait, j'ai perdu un repeater. Ouais, c'est pas grave, ça, je crois que ça va marcher. J'espère. Non, mais injecte-les dans le bloc, ça va marcher. Oui, mais il me faut un bloc pour faire ça. Bah, t'as un bloc en main. Mais non, j'ai des blocs de laine. Bah, oui, alors. Bah, j'en ai besoin pour refermer derrière mon passage. Ah oui, juste. Je n'ai pas d'amour. Bon, je vais placer ceci. Mais j'ai quand même besoin d'un repeater. Non. Si tu mets qu'il s'injecte dans le bloc, il va alimenter le piston. Tu crois que ça va marcher? Oui, ça marche. Oh, purée. Ouais, c'est pas grave. Récupère-en un autre. Voilà, comme ceci, si vous pensez que c'est bon.
Et donc, eh bien, voilà. Alors, juste après la petite ellipse... Rajoute juste... Juste après la petite ellipse, parce que quelqu'un me parle sur Skype, je vais bien vous reprendre pour peut-être l'explication du système. Enfin, probablement, certainement. Et je casse tout. Alors, c'était... comme ceci, voilà. Juste après la petite ellipse, on se retrouve. Attention, 3, 2, 1, comme toujours, ellipse. Et nous revoilà. Donc, je suis toujours sur Skype. Donc, il se peut que d'autres ellipses surviennent, mais vu que c'est quelque chose d'assez important, je ne peux pas me permettre de laisser ça en plan. Donc, eh bien, explication rapide du système par Rhino. Donc, l'endroit du bouton, s'il te plaît. Ça, c'est le bouton. Voilà. Donc, ici, on a un pulse emitter, un tic. Comme ceci. Donc on a un repeater avec en dessous piston collant qu'on ne voit pas mais qui s'injecte dans le bloc et puis re-repeater. Ça fait que ça envoie une impulsion très très courte de 1 tick et ça perd ou d'un demi je sais plus. Je crois que c'est un demi tick même. Et donc ici on a un piston collant avec un bloc de redstone mais ça fait en fait que comme l'impulsion est très très courte ça va pousser le bloc de redstone ça va se rétracter instantanément et quand on va réappuyer ça va directement reprendre le bloc de redstone. Donc ça permet de faire un flip-flop en fait, deux états différents. Ici après on a double pulse emitter, les mêmes. Voilà, donc avec également un piston ici. Oui, qu'on ne voit pas, voilà. Et puis ensuite, en sortie ici, c'est un peu plus complexe. On veut en fait que la première fois qu'on appuie sur le bouton, ça active l'eau pour qu'on puisse les reproduire facilement. Et que ça désactive la lave pour éviter que les bébés tombent dans la lave. Ce qui offrirait une perte de rendement assez dommage. Alors ça on verra juste après l'idée avec les dispensers, etc. Oui, mais j'y viens quand même déjà parce que c'est important à ce stade-là. Et que la deuxième fois, ça réactive, enfin ça désactive l'eau, ça réactive la lave, et que ça active un piston qui les pousse dans l'enclos où ils vont brûler quand ils seront grands. Donc pour ça, on a besoin de deux systèmes bien distincts. Un juste pour le piston et un juste pour les dispensers. C'est-à-dire qu'il y en a un ici, le premier là. Oui, ça c'est pour le piston. Et le deuxième ici en dessous, avec le deuxième repeater qui est amené ici. Et donc, en fait, le repeater injecte dans le bloc et injecte dans la redstone sur le dessus et sur le dessous, ce que le deuxième ne fait pas. Donc, il y en a un qui active seulement les deux dispensers et un qui active les deux dispensers et le piston. Et puis après, en dessous, descend deux secondes, mais pas dans le tout petit trou. Voilà, ici. J'ai un gros free Skype, voilà. Il y a un long délai pour la lave, pour éviter que les bébés cochons qu'on pousse se retrouvent brûlés, ce qu'on trouverait quand même dommage. Et un petit escalier pour activer le dispenser à eau. Et c'est tout. Voilà, donc, eh bien, justement, comme je vous l'ai dit, je vais faire une seconde ellipse, juste après cette rapide et concise description du système. Alors, seconde ellipse, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, excusez-moi d'avance. Nous revoilà après l'ellipse, donc as-tu quelque chose à rajouter, Rhino ? Oui, ce système est de moi, et le premier qui fera une vidéo sur internet dessus se prendra un coup de shotgun dans les dents. D'accord, si vous voulez. Et donc, c'est bien ici, dans ce petit coffre, qu'on récupère les loot des porcinets. Voilà. Voilà, et donc, pour expliquer vite fait, parce que c'est dur à montrer, vu que son cochon est en laine, et du coup, il y a de la lave à l'intérieur, mais j'explique vite fait. Les porcinets font un demi de haut, les cochons de Romo 1, donc si on utilise un bloc de glowstone, qui est un bloc transparent pour les pousser, ça les étouffera pas, et ça les pousse dans une demi-dalle en position haute, qu'on a vu très brièvement, mais vraiment très brièvement. Et comme la demi-dalle est en position haute, ça passe en dessous, la lave est désactivée, ils tombent sur une demi-dalle, la lave se réactive, et comme ils font un demi-bloc, ils touchent juste pas la lave. Et pile au moment où ils grandissent, ils touchent la lave, puisqu'ils font un bloc de haut, donc ils sont un demi-bloc dans la lave, si vous voulez. Ils meurent, leur loot tombe à leurs pieds, comme avec tous les mobs, contrairement aux joueurs d'ailleurs, je pense. Et puis, il y a des hoppers pour les collecter. C'est tout. Voilà, c'est tout. Nous revoilà après encore une petite ellipse, mais cette fois-ci je ne voulais pas annoncer car ça devenait un petit peu ennuyant pour vous, je pense. Mais voilà, donc eh bien j'ai juste profité de l'ellipse pour aller chercher un coffre dans lequel nous allons donc mettre les carottes. Donc je vais chercher en votre compagnie les carottes et nous allons les placer dans ce coffre, comme ça on pourra reproduire les cochons et faire un petit test. Mais pour le moment je pense qu'il y a déjà les cochons qui sont en gestation, donc dans le bol gestation. Non, justement, c'est un désavantage du système, tu peux en reproduire quand tu veux. Ah, d'accord, bon, bah, nous allons donc faire cela. Et bien ensuite, nous allons nous occuper
des pancartes, c'est-à-dire des personnes qui participent au concours et qui sont affichées au mur, comme vous le savez bien. Alors oui, autre chose que je ne vous ai pas dit, vous ne serez pas affiché sur un mouton, mais bien au mur, tout simplement parce que les moutons despawnent, se baladent, dégagent, vont dans la lave, etc. Et j'ai juste pas trop envie que votre nom se barre comme ça à la What the Fuck. Platy vous prend pour des moutons. Voilà, exactement. Et en plus, comme ça, c'est comme si je vous... Enfin, c'est pas comme si je vous prenais pour des moutons. Enfin, tout est à gagner, voilà. Donc, alors, je me hâte un petit peu. Eh bien, c'est bon, c'est parfait. Alors, hop. Tchouka. Voilà, hop. Alors, j'ouvre ça. Alors, le problème avec les animaux, parce que j'aimerais bien pouvoir me balader avec les animaux, mais le problème, c'est qu'ils peuvent se coincer dans les pistons et dans les systèmes redstone. Et c'est pas cool. Du tout. Pas cool. Alors, d'ailleurs, cher ami Rhino, c'est toi qui as donné naissance au nom du chien. Je sais. D'accord. Et je ne dirai pas pourquoi. Enfin, j'ai l'impression que mon chat est à moitié mort. Il est mort. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lever mon chat, déjà ? Oh purée, n'importe quoi. Il est bloqué. N'importe quoi, je vais pas péter ce coffre. Bon, voilà, t'es content, petit chat. Qu'est-ce qu'il faut donner comme bouffe à un chat pour lui redonner de la vie? Je sais plus, du poisson, je pense. Ah, chouette, il va falloir que je pêche. Super. En fait, je pense que je vais les laisser assis, parce que... Si je dois les soigner et tout, parce qu'ils se font mal, ça je sens pas trop. Alors, petit chousse, viens sur le pont. Oh, purée. Ah, pourquoi est-ce que ce chien se téléporte dans les murs? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Dans son vivant, il était déjà pas très intelligent, alors pixel. Allez, voilà, reste là. Et toi, le petit chat, tu n'as pas une place d'honneur, mais... Enfin, quoique, je devrais peut-être me balader, en tout cas, avec mes animaux, genre un par un. Alors, toi, tu viens là. Qu'est-ce que... Ah oui, je voulais mettre les carottes. Ok, il y a des bruits bizarres. Quoi? Non, rien du tout. Voilà, donc je vais mettre juste les carottes. Youlou. Alors, comme Youlou. Ça. Voilà. Et on va juste nourrir les cochons. Alors, j'espère que mon chat reste là en bas, voilà. On va nourrir les cochons. Pour ça, il faut activer l'eau. Donc, appuyer sur le bouton. Ok, fail number one. Pourtant, c'est pas très très compliqué. Hein. Non, alors toi, petit chat, tu vas rester. Non, tu restes là. Voilà. Non, tu restes là. Voilà, parfait. Cansos. Ouais, le petit chat, il s'en va là. Allez, vous reproduisez tous, c'est la folie. Tous les cochons sont en folie. Ça pouvait voilà. Être pervers, cette phrase. Oh, chouette, tout l'XP. C'est vrai que j'avais oublié que ça donnait l'XP de reproduire les petits porcs. Bon, ok, bug, je ne peux pas prendre l'XP. Ouais. Alors les cochons, on dirait qu'ils font des bruits de pêche, je sais pas, c'est super chou. C'est parce qu'il y en a beaucoup en fait. On active. Et maintenant tu vas appuyer sur le bouton et ça fait tout seul. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et donc dès que les cochons vont grandir, ils vont... Mourir, voilà. Et être transportés dans le coffre. Alors juste une chose que j'aimerais voir, c'est s'il n'y a pas des steaks coincés là. Non, c'est bon. Sors bien avec moi mon petit chat. Et nous allons passer à une seconde partie de l'épisode, après cette preview de deux petits systèmes. Donc oui, parce que ça faisait assez longtemps que je n'avais plus fait de système Redstone dans l'aventure. Donc, j'espère que heureusement que je suis là hein, quand même. Ouais, donc remercions notre cher ami et j'espère que ça vous fait plaisir. Alors une chose que j'ai fait, c'est pendant off-camera, j'ai rajouté ce bloc de feuilles, qui est assez élégant, ma foi je pense. J'ai rajouté le bloc de clés. Et le bloc de hardnet clé. Et aussi ça, je pense qu'il était déjà là. Donc il y a plein de nouveaux blocs, c'est super cool. Et il y a encore un nouveau bloc qui va arriver, vu qu'il s'agit du bloc de charbon. Car quelqu'un m'a dit dans les commentaires qu'il fallait rajouter le bloc de charbon. Alors merci à cette personne, je ne sais plus qui c'est. Je sais que toi aussi tu me l'as dit, Rhino, mais quelqu'un me l'avait déjà dit avant dans les commentaires. Donc... Attends, mais au pire je vais aller voir. Oui, pourquoi pas, si tu veux. Ouais, par contre, faudra que je fasse gaffe. Si ça fait un peu de bruit, c'est pas de ma faute. Non, mais mets pas de bruit, s'il te plaît. Parce que, je vais essayer de le couper dès que ça se lance, mais. Ouais. De toute façon, vous entendrez peut-être ma voix en double. C'est dans l'épisode 20
Le dernier, ouais, je pense, l'épisode 20. Non, mais j'ai mis mon casque, t'inquiète. Okay. Enfin, mes écouteurs. Alors, hop, le bloc de charbon que nous allons donc faire de manière rapide. Pause direct. Ah, d'accord, j'en fais la plainte. Ok. Alors, je vous remets, cher bloc de charbon. Et je vais poser donc le bloc de charbon dans la salle des blocs. Alors, la salle des blocs, je sais que vous aimez beaucoup ça, et moi aussi j'aime beaucoup la salle des blocs. Simplement parce que c'est ce qui fait la différence entre mon LP et d'autres aventures, c'est que. Eh bien, il y a Julien Vallée, je pense. Le défi de collecter. Ah ben voilà, cette personne qui a été citée. Julien Vallée. Attends, c'est peut-être pas le premier, hein, je vérifie. Bon, voilà. En tout cas, c'est la Tu n'as pas le bloc d'argile déjà, c'est TheLulu83000. Voilà, donc merci TheLulu83000. Grâce à toi, j'ai fait off-camera, j'ai rajouté ce bloc-là. Et. Participe au concours, non. Un type qui demande s'il peut faire des vidéos avec toi. Non. D'ailleurs, sachez, pour ceux qui veulent faire des vidéos avec moi, tout d'abord, c'est non, et alors, ça peut être oui. Si vous avez un concept intéressant à proposer et que vous avez un Minecraft payé de préférence, puisque tourner sur du craqué, ça, je le sens pas trop. Donc, si vous avez un concept intéressant, c'est-à-dire une idée, si vous avez quelque chose de bien à proposer, ben, pourquoi pas, je suis ouvert. Mais si vous dites juste, je peux faire des vidéos avec toi, ben, non, propose quelque chose et on verra. Voilà. Du coup, c'est bel et bien Julien Vallée, le bloc de charbon. Donc, merci à toi, le bloc de charbon est rajouté. Et pour les personnes qui participent à ce petit concours, il y a tout d'abord, est-ce que tu peux regarder ma vidéo sur League of Legends où je joue avec Queen, s'il te plaît? Ok. Attends, elle est vieille de quand? Je sais, honnêtement, elle est après animaux et vous. Ok, donc regarde s'il te plaît. Alors tout d'abord, il y a un participant qui est Jizzy, je ne sais pas comment on prononce son nom. Vous avez des fucking pseudos super difficiles à dire. Et tu es un de mes anciens abonnés, donc c'est super cool que tu sois de nouveau parmi nous. Alors je sais que ce n'est pas ton vrai pseudo, c'est monsieur, enfin je ne sais pas trop, mais en tout cas je sais que ton vrai pseudo c'est Jizzy, je ne sais pas trop. Donc te voilà rajouté, tu as participé au concours. Donc comme je dis, votre nom ne sera pas sur un bouton mais sur une pancarte. Et tu as la vidéo de League of Legends? Oui, mais là je regarde, mais il y a que des commentaires qui disent que tu joues mal, ou des commentaires que tu joues pas mal, ou bien qui te donnent des conseils. Il y a personne qui participe dans cette vidéo. Donc personne ne participe. Bon, ben d'accord, il n'y aura personne qui participe. Donc, ok, si vous voulez. Donc, eh bien, il n'y aura pas de deuxième nom dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. Mais attends, il y en a plein sur ton autre vidéo. Hein. Laquelle? Bah, sur ton Let's Play épisode 20. Ah oui, mais c'est un par vidéo, c'est juste. Ah oui, mais c'est dans le 19 qu'ils pouvaient participer. Mais t'as dit dans toutes tes vidéos. Oui, donc il faut bien rajouter un deuxième nom. Ok, je regarde un nom du 20 et je le prends au pif. Ouais. Y a un type à qui t'as répondu, on prend celui-là. Ouais, par exemple. Ok, c'est TheForest716. Bien sûr, tout le monde a sa chance, hein, je dis bien tout le monde a sa chance, c'est un tirage au sort approximatif comme ce qui vient de se passer devant vos yeux ébahis. Alors juste une chose que j'aimerais faire, c'est pour ceux qui sont représentés plusieurs fois, je vais juste mettre un petit premium en dessous parce que voilà, parce que c'est la classe. Et comme Rino a donné son nom au cheval et au chien, eh bien il a droit à un petit premium. Alors dis-moi s'il n'y a pas de faute. Attends, j'ai un énorme freeze du partage d'écran Skype. Pour moi, t'es encore sur ton cheval en fait. D'accord. C'est un gros freeze alors. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de faute. Hein. Bah, bon. Dans Rhino Féroce, il n'y avait pas de faute. Bon, ok, c'est bon alors. Je sais que Jules Bonnel aussi est en premium parce qu'il a donné son nom également pour le cheval, si j'espère que je ne me trompe pas. Et Non, tu ne te trompes pas. Ok, donc c'est bon. Voilà. N'empêche qu'il faudra quand même lui expliquer un jour que Link c'est Link et c'est pas Zelda. Ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est anecdotique. Donc te voilà, premium, j'espère que ça te fera plaisir. Et alors, qui as-tu tiré au sort? TheForest716. Ok. Alors, tu me dis si, encore une fois, je ne fais pas de faute. Alors juste, excuse-moi. Je te vois toujours pas, mais... Ouais. Petite ellipse rapide. Petite ellipse. Donc du coup...
voilà, oui, quel était le pseudo? T majuscule. Oui. H-E. Oui. F majuscule. F, oui. Ouais. Et puis, aurait comme forêt, quoi. Comme ça, de forêt? ST. Ah oui, de forest, quoi. Et pas de numéro parce que je trouve ça nul. Et donc, voilà. Parce que je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, je prends pas les numéros. Vous m'excuserez, mais je trouve ça relativement... excusez encore une fois mon avis, mais moche de mettre des numéros sur les pancartes. Ce n'est pas vraiment mon dada. D'ailleurs, il est là-bas, mon dada. Je vais le reprendre. Viens à moi. Comment s'appelait-il déjà? Diamond Spirit. Diamond Spirit, voilà. D'ailleurs, Jules Bonnet l'avait proposé de l'appeler White Diamond, et quand t'as dit « j'ai fait une conjugaison de White Diamond and Spirit », j'ai eu peur que tu l'aies appelé White Spirit. Prends-moi pour un handicapé, ou alors un inculte. Alors, c'est marrant parce que comme les chevaux font deux de largeur, vous pouvez le remarquer, ce cheval est actuellement en train de voler au-dessus d'un trou, avec d'ailleurs un creeper journaliste qui le chevauche dans le bon sens du terme. Et ouais. Comme nous sommes à 20 minutes d'épisode, je vais juste clôturer en allant chercher de la dirt pour juste, si nous avons encore des petites choses à dire, pouvoir reboucher les trous de la map sous un fond de paroles. De dark metal. Non, très mauvaise idée. Je ne sens pas. Oui, mais en plus, il y a des droits d'auteur sur le dark metal. Ouais, non, pas si je l'improvise. Non, mais ça, c'est encore une idée encore pire, si tu vas m'excuser. Alors... Okay, tu peux chanter Johnny Be Good, alors? Oh, mais t'es sérieux? Pourquoi tu veux faire ce genre de choses? Bah, je sais pas, pour les occuper. Bon, occupe si tu veux. Tu sais très bien que ta voix est tellement ennuyante. Ma voix est tellement plaisante que j'ai 600 milliards d'abonnés. Le mec. Le deep... Il y a une bouton pour ouvrir ma porte. Bouillia. Non, en fait, parce qu'il y a un cooldown, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, le temps que la redstone se reset et arrête de briller. Ah ouais. Pourquoi tu fais pas un peu de switch un peu mieux? Tu me prends pour qui? Non, ouais, sérieusement. Il est pas si doué que ça en redstone. Eh, hey, ça va, je suis pas nul non plus. Et donc, voilà. Alors, premier trou à boucher, toi. Alors, j'ai pris la dose de dirt, donc... Attention, Platy rebouche les trous. Je recolle les morceaux. Ah ouais, à ce point-là, tu les... Ah ouais, quand même, violent. Eh, hey, bon, mais sors du trou, cheval, je vais pas reboucher le trou avec toi dedans. Tu m'excuses. Oh ouais, carrément, avec un cheval à l'intérieur, tu déconnes pas, toi. Sérieux? Déjà que tu fais des jeux de mots douteux, mais dégage! Le cheval, je le rentre cheval, dans tous les le cheval, endroits. C'est génial. Le cheval, c'est génial. Hey. Alors, par contre, si seulement j'avais une pelle... Alors, j'aimerais si que... Si seulement j'avais une pelle, je pourrais enrouler. D'accord, sauf que ça doit être assez douloureux. Alors, ça, le cheval... Couch. Ce cheval est déplaisant au possible. Non, en fait, je t'aime beaucoup, petit cheval, mais... Parfois, tu me fais un peu chier. Alors, un trou à boucher, toi, ici. Trou. On peut prendre un cheval noir pour éviter d'être accusé de racisme. Mais pourquoi tu m'accuses de racisme? T'es sérieux? Je t'ai pas accusé de racisme, je dis juste qu'il faudrait prendre un cheval noir. Mais attends, si je prenais un cheval noir, on pourrait faire du racisme dans l'autre sens. C'est assez glauque comme idée, en fait. Je t'invite pas dans mes vidéos pour faire ce genre d'allusion néfaste au racisme et Et oh, sérieux. J'ai rien dit. J'ai juste oui, dit. Je prône le respect et la tolérance. Eh. Prôner le respect, ça veut dire ne pas faire d'allusion au racisme. Ah non, ça veut dire justement. Eh. Ça veut ne pas dire ne pas faire d'allusion. Ça veut dire ne pas être d'accord avec ce que ça dit. S'il n'y a aucune intention raciste dans mes propos et mes actions, faire allusion à du racisme, c'est être un tout petit peu préoccupé par ce genre de choses. Préoccupé, mais dans le bon sens. Ceci dit, passons. Donc des petits trous, toujours des petits trous. Parce que sinon ouais. Tes viewers ils vont trouver ça saoulant. De toute façon l'épisode est bientôt fini, j'espère que d'ailleurs vous aurez apprécié cet épisode comme vous les appréciez tous, je l'espère. Appréciez-les tous. D'ailleurs si vous ne les appréciez pas, vous ne seriez pas abonné. Bah, cassez-vous de sa chaîne. Eh non, j'ai pas dit ça. Bah s'il regarde pas ton épée, il regarde quoi alors?
Non, mais si ils peuvent regarder FTR, ils peuvent regarder Dans les Stars, je sais pas moi. Mais de Le toute façon. premier épisode depuis 5 mois. Ouais, ça c'est vrai. Mais de toute façon, je veux dire, s'ils apprécient pas, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de qualité, j'en sais rien. Ils apprécient ce qu'ils veulent, de toute façon. Faites ce que vous voulez, hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous pouvez pas faire. D'ailleurs, ceux qui aiment FTL, bénissez-moi, c'est grâce à moi que vous en avez. À mon avis, il y en a peu qui aiment FTL, hein, si je peux me permettre. Ouais, mais moi j'aime bien. D'ailleurs, ça me dérange pas. Hein. Enfin, je veux dire, ma chaîne c'est du Minecraft. Je vous comprends si vous aimez pas FTL. Enfin, vous êtes ici pour du Minecraft. Mais j'aime bien diversifier un petit peu parce que dans la première description de ma chaîne, quand j'ai commencé au tout début, que j'avais pas encore de background, etc., j'ai dit quelque chose comme ma chaîne se veut diversifier. Donc, je sais, c'est peut-être même toujours dans ma. D'ailleurs, dans ma. Je vais aller voir vite. Ouais. Ma description. Enfin un truc dans le genre et c'est dans quoi? C'est dans discussion ou à propos de? C'est à propos de. Voilà. Attends, il y a un type qui te demande pourquoi tu insultes les autres youtubeurs. J'ai jamais insulté les autres youtubeurs, donc DG s'il te plaît. Ouais, bah c'est ce que j'ai pensé aussi très très fort. Voilà. Je vous présente une chaîne axée sur des Minecraft et des découvertes de jeux indépendants. C'est un jeu indépendant donc ça marche. Excellent. J'avoue que c'est un tout mini peu stupide. Mais bon, passons. De toute façon, je vais clôturer l'épisode ici. Ah oui, se veut diversifier. Voilà. Ma chaîne se veut diversifier, donc choisissez les Et bien playlists. Trier. Ouais, c'est ça. Choisissez les playlists qui vous plaisent, tatati tatoum. Donc, oui. Eh bien, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cet épisode, que vous n'hésiterez pas à mettre un petit like. Moi, ça me fait super plaisir quand je reçois des likes parce que je sais que ça vous plaît, et c'est le principal. Enfin, non, le principal, c'est que je m'amuse aussi, mais disons. Ouais, et puis s'il y a des likes, ça veut dire que je peux revenir aussi. Ouais, voilà, s'il y a des likes, ça veut dire que Rhino peut revenir, ça veut dire que la vidéo est cool, ça veut dire que vous avez pris du bon temps, etc. Donc, tout est bénéfique. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous me découvrez par cette vidéo, parce que moi, ça me fait plaisir. Et surtout, ça vous permettra d'être tenu au courant de mon activité et de voir donc d'autres vidéos dans ce genre. Voilà. Eh bien, salut Rhino, à une prochaine. Ben, salut. Salut. À tous tes viewers. Ouais, salut. Allez, salut.